C'est le cœur de métier de Famille Rurale, ça a toujours été. On est issu de 45, donc d'une collaboration, d'une entraide surtout. Une entraide et une solidarité entre les femmes, puisque pendant la guerre, elles ont dû s'entraider pour continuer à exploiter les terres agricoles. C'est pas une histoire de femme pour la femme, c'est une histoire de gens qui travaillent de manière intelligente au service de la collectivité, j'ai envie de dire ça. Mais c'est vrai que c'est commencé par les femmes et ça commençait par, là on parlait de voitures en commun, c'était des machines à laver en commun, c'était des congélateurs en commun. C'est ça Famille Rurale au démarrage, c'est ça. Oui, en Côte d'Armor, les accueils de loisirs ont été issus de familles rurales et des femmes qui étaient dans les associations locales, qui étaient souvent travaillées sur l'exploitation et qui avaient envie d'autre chose, d'avoir une autonomie financière et d'avoir un emploi à l'extérieur de la ferme. Et donc, qui s'occupait des mouflets, c'était les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre femmes pour pouvoir sortir et aller avoir notre indépendance? D'où les ruches. À l'époque, ça s'appelait les ruches. Le transport scolaire, c'est ça aussi. C'est que les femmes, elles travaillaient et elles n'avaient plus la possibilité d'emmener les enfants à l'école. Comment on fait? On s'organise. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Un transport en commun. Et voilà. C'est de l'éducation, c'est pas un peu c'est de l'éducation populaire, c'est ça, famille rurale, c'est de l'éducation populaire et c'est de l'économie sociale et solidaire. Il y a eu donc une enquête faite par la Fédération nationale sur la ruralité. Les gens, ils sont heureux de vivre en milieu rural, c'est plutôt le sentiment d'abandon qui pose problème. Les gens se sentent abandonnés de l'État, se sentent abandonnés par rapport aux services publics, puisqu'ils ce sont des régions de désert en termes de services publics. Mais j'ai envie de dire, on a toutes les cartes en main. À un moment donné, on dit que la Bretagne est vivante, etc. Mais la Bretagne, si on se réfère à des années plus tard, dans les années 70, il n'y avait pas l'électricité dans les maisons. C'était encore des maisons en terre battue. Ce sont les gens qui se sont dit, on n'a personne, si on veut s'en sortir, c'est nous. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours ça, si à un moment donné on veut faire les choses, c'est aussi à nous de nous organiser. Bien entendu, pas tout seul, la collaboration avec les acteurs locaux que sont les élus sont primordiales. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble et pourquoi on le fait ensemble. Et je pense que la ruralité, j'ai plutôt tendance à voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et je me dis qu'on a tous les éléments en main, c'est simplement qu'il faut se retrouver autour de la table et pourquoi on a envie de travailler ensemble et avec qui on a envie de travailler ensemble. Oui, penser faire ensemble, mais c'est surtout donner les moyens que localement les choses puissent se faire. Voilà, c'est pas dire c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais voilà, on vous donne les moyens d'ensemble de faire sur votre territoire en fonction des besoins de votre territoire. Et les personnes qui connaissent bien le territoire, ce sont les acteurs locaux, tout simplement. Donc une adaptabilité des dispositifs qui peuvent être nationaux, mais vraiment une adaptabilité, il faut que ça corresponde aux besoins des familles, ça c'est certain. Il y en a plein. Moi, je dis qu'il n'y a pas des petites et des grosses initiatives. Du moment qu'il y a des choses qui se passent sur le territoire, c'est gagné. Les plus belles, c'est un restaurant social en milieu rural. Ça se passe à Loudéac, en Côte d'Armor, au centre des Côtes d'Armor. Et l'association gère un accueil de loisirs. La collectivité a décidé de reprendre en gestion l'accueil de loisirs et les bénévoles se sont dit c'était leur bébé, il existait depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, elles ont pris le temps de faire un diagnostic de territoire et se sont aperçues que malheureusement, sur le territoire, il y avait des familles qui avaient des problématiques financières et donc les Restos du Cœur étaient débordés. Et les Restos du Cœur s'étaient aperçus que les gens ne savaient pas obligatoirement cuisiner ce qu'ils avaient, que les gens ne savaient pas cuisiner le panier qui était offert par les Restos du Cœur. Et voilà, il y a du partenariat, il y a des acteurs locaux qui se retrouvent ensemble. Et puis conclusion, le restaurant social est ouvert depuis plusieurs années et il s'ouvre. Et d'un restaurant social, on arrive à un jardin partagé, à des cours de cuisine pour les enfants, à des cours de cuisine pour les adultes. Voilà, moi je trouve que c'est une belle réussite. Oui, ah oui, et convivialité, parce que c'est important la convivialité aussi.